Gonon, notre géant s'appuya de la main sur la plaine du Brivadois afin de redresser sa gigantesque carcasse. Hélas pour Gargan, et tant mieux pour notre contrée, pendant son embardée, le havresac se déchira, répandant sur la région une généreuse ondée de pierres précieuses. Et de ces perles que Gargan légua, bien malgré lui, à la Haute-Loire, les hommes feront naître quelques-uns des plus beaux joyaux qui ornent notre pays. Un peu fâché de sa chute, et un brin myope il faut bien le dire, Gargan ne remarqua pas la perte de son inestimable trésor. Et ce secret fut jalousement gardé. Notre géant repartit à grandes enjambées. On raconte qu'il marcha de ce pas jusqu'à la fin des terres, face au mont Saint-Michel en mer.